Chers amis, il faut que je vous raconte quelque chose. J'espère que vous allez bien, mais ça, on va le passer parce qu'il s'est passé une histoire extraordinaire aujourd'hui. Fou, j'en suis encore. J'ai des problèmes de sudation depuis cette histoire. Finalement, là, je me dis waouh, qu'est-ce qu'il vient de se passer. Vous le savez, les Lego Harry Potter sont sortis. Il y a eu des sets, il y a eu les minifigs que tout le monde recherche. Pour l'instant, c'est la course à l'or. Vous savez, comme dans l'Ouest américain où il fallait trouver des pépites. Bah là, c'est la même chose. Et bah, moi j'aime bien Harry Potter, donc je me suis dit, ok, vas-y, on va aller acheter 2-3 petites minifigs, on va essayer de se trouver un ou deux petits sets sympas. J'en avais repéré des cools, il y avait le truc de Quidditch, il y avait Aragog, qui est toujours un petit moment spécial dans le film, dans Harry Potter 2. Bon voilà, il y avait aussi le seul cogneur, il y avait plein de choses. Je me dis, on va faire ça aujourd'hui, je vais aller checker dans le petit magasin le plus proche de chez moi. Est-ce qu'il y a des petits Lego Harry Potter? Donc, je prends la petite voiture, clac, 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 hop, je vais chercher au Jouet Club, hein, parce qu'on va nommer ce magasin, je vous dis pas où il est, mais voilà, c'était un Jouet Club, donc je vais au Jouet Club, comme ça, tout content, avec la grosse banane, hop, 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 j'arrive et tout. C'était midi 40, quelque chose comme ça. Et là, je me dis, je vois sur la porte, fermeture 13h. Je suis large, ça me laisse le temps de trouver mon petit set, de tâter s'il y en a des petites figurines, hop, 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 je me dis, c'est bon, c'est tranquille. J'arrive dans le magasin, je rentre dans le magasin, je vais au rayon Lego, et d'habitude dans ce magasin, on va pas se mentir, de base il n'y a pas grand chose, t'as jamais genre un énorme choix de set, tu vois, t'as 17 Star Wars, t'as 15 set City, t'as un peu de Hells, un peu de Friends, voilà c'est tout, et après t'as un peu de Lego Creator machin, mais en grand max c'est ça, allez, c'est pas non plus extraordinaire, tu vois. Et là j'arrive. C'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de sets, c'est qu'il n'y en a plus du tout. Le truc est vide, il n'y a plus rien, les étagères sont complètement vides. Et là je me dis, c'est pas possible. Non, en vrai, c'est pas possible. Parce que déjà, pour mon anniversaire, j'y étais allé. Je voulais me faire un petit cadeau, parce que je me fais des petits cadeaux. Et il n'y avait rien, il n'y avait plus de sets cool. Il n'y avait que des trucs qu'on a déjà dans la collection, ça servait pas à grand chose. Mais là, il n'y avait plus rien, je te... Donc je commence à suer, tu vois, il y avait une énorme goutte de sueur là sur ma joue qui coulait là comme ça. En plus il faisait chaud. J'étais là, non, c'est pas possible. Après voilà, et moi je fais autre chose, je vais devoir partir, je fais comment? Moi je veux mes sets, je veux mes Harry Potter. Et là je me dis, bon, on va aller demander à la vendeuse, parce que la vendeuse elle sait où ils sont. Elle sait, donc je vais voir la vendeuse. Et je lui dis, bonjour, excusez-moi, voilà, je m'appelle Sandro Lego, je me tiens une petite chaîne. J'aimerais avoir quelques petites figurines Harry Potter si c'est possible. Où est-ce qu'elles sont, cette figurine Harry Potter? Moi je la grasse pas comme ça parce que sinon je me serais fait virer du magasin par le vigile. Concrètement, je lui demande, bonjour, vous êtes fort aimable, fort joli, est-ce que vous voulez boire un verre? Non, d'abord, est-ce que vous voulez me donner des figurines Harry Potter? Est-ce que c'est... Je recherche, en ce moment je recherche une figurine Harry Potter, ça m'aiderait pas mal. Et là elle me dit, bah vous les avez pas trouvées? Au début j'ai cru qu'elle me prenait pour un teubé, et j'allais lui dire, écoute. Tu fais la folle, moi je sors ma baguette, je te fume, y a pas de soucis, là. On veut de l'action, tu vois. Je lui dis, bah non, je suis allé dans le rayon, y'avait rien dans le rayon. Et là elle me dit, ah, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Comment ça c'est normal? Comment ça c'est normal qu'il y a rien dans le rayon? Si tu me dis qu'il y en a, pourquoi elles sont pas dans le rayon? Bah parce qu'on a changé de rayon. Tu comprends ma frustration à ce niveau-là. Là j'étais là en mode... Oui, j'aurais clairement dû chercher dans le magasin avant de me mettre à suer et de me dire « je vais flamber ce magasin ». Ils étaient dans un autre rayon. Bon, finalement, je trouve les Lego, il y en avait plus que d'habitude. C'est là où je me suis dit « waouh, Jouet Club, c'est refait une santé ». Donc, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé les Lego Harry Potter que je cherchais. Il y avait vraiment tout, il y avait tous les sets qui sont sortis, donc ça, c'était cool. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce petit set. Donc le truc d'Aragog là, voilà, qui est fort sympathique, où il y a Harry et Ron. Je me suis dit pourquoi pas, il est là, il est présent, il me semblait bien. J'avais acheté au préalable, avant que les 7 sortent, j'avais acheté les figurines, les briquettes. Donc j'avais Hermione, je les avais toutes prises, Hermione, Ron, on avait Harry ici, avec Edwige, forcément, sa petite chouette incroyable.
n'est-ce pas, et le professeur Dumbledore, voilà. Donc j'avais toutes les briquettes hein, qui étaient derrière moi dans le décor. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah parfait, on va finir cette collection et on va prendre les petites minifigs. Alors j'en ai pris 10, j'ai absolument pas tâté parce que, attention, j'ai pas fini mon histoire. Donc bref, on se remet dans l'histoire, on replonge dans l'histoire. Je choisis mon set. Il faut savoir que j'avais perdu du temps quand même, hein, en cherchant rien dans un rayon. Et là, il y a une petite voix à l'annonce sur sa tête. Excusez-moi, c'est midi 55, le magasin ferme à 13h, nous demandons à nos chers clients de se diriger vers la caisse. J'ai pas choisi mes minifigs. Là, il y a la deuxième goutte de sueur qui coule. Parce que, concrètement, je l'avais vu, le truc, avec les cartons de minifigs. Et je sais qu'il y a certaines minifigs qui sont rares. Je sais que le méchant dans les Bêtes Fantastiques, il y est en une seule fois. Et je sais qu'il y avait une boîte qui n'était pas ouverte. Donc je savais qu'elle était dedans. À moi qui ai déjà un mec qui l'ait fouillé, parce que j'ai pas eu le temps de compter tous les sachets. 5 minutes. Va tâter tous les paquets en 5 minutes. Surtout que j'étais pas préparé, on va pas se mentir. J'étais pas prêt. J'avais pas fait mon petit dossier. Je savais pas ce qu'il fallait trouver. En plus, j'ai aucune expérience en tâtage, tu vois. C'est la première fois que je tâtais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la boîte, j'ai pris 10 paquets, je me suis dit, allez, on a au moins un Harry, on a au moins un Dobby, et comme je connais pas trop les autres minifigs qu'il y a dedans, je me dis, c'est pas grave. Franchement, le but, parce qu'on va les ouvrir, ces petits sachets, vous inquiétez pas, on va les ouvrir. Le but, c'est d'avoir un Harry et un Dobby, et si possible, des personnages un peu importants. Si on a Rogue, je sais plus s'il y est, mais si on a Rogue, c'est parfait. Si on a Dumbledore, c'est parfait. Je crois qu'il y a McGonagall. Enfin bref, si on a des persos importants, c'est cool. Je cherche pas de figurines en particulier, mais juste voilà, les personnages qui sont emblématiques du film, ça m'ira très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir les petits paquets. Je vais les ouvrir comme ça, tranquille au calme. Et puis, je vous montrerai ça quand je les aurai tous déballés. Je vous ferai un petit check-up de ce qu'on a eu. Et puis bon, voilà, c'est parti. Bien, alors, on va pas se mentir, je suis obligé de refaire cette fin de vidéo parce que la chère caméra qui me filme a décidé de me sortir un fichier corrompu, un fichier qui n'est pas lisible par le logiciel de montage. Voilà, c'est un fichier qui fait 0 octets. Allez donc savoir pourquoi. Néanmoins, je suis obligé donc de refaire cette fin. Alors, je vais pas pouvoir refaire le déballage de cette vidéo. Ça serait un peu foiré, je sais ce que j'ai eu. Donc voilà, ça flinguerait un peu tout. Néanmoins, j'ai pris le temps de créer un petit présentoir pour cette petite figurine. Donc on va regarder ça ensemble. On va regarder tranquillement ce qu'on a eu dans cette série. Donc d'abord, on a eu... on va commencer par là, s'il te plaît. Voilà, le petit focus. On a eu Dean. Dean qui est, pour la petite histoire, le copain de la sœur de Ron. Donc, Ginny Weasley dans les premiers films et qui ensuite disparaît. Alors, je sais plus s'il survit à la guerre des sorciers, en tout cas, c'est un personnage secondaire, mais qui est assez sympa. Derrière, nous avons Cédric Diggory qui meurt dans l'épisode 4, dans la coupe des trois sorciers. D'ailleurs, petit fait que j'ai remarqué, que je trouve assez sympa, c'est que sur la coupe, ils nous ont noté. Hop. Ah ouais, c'est dans ce sens-là. Tree Wizard, donc la coupe des trois sorciers. C'est assez sympathique, c'est le petit clin d'œil. Ça fait plaisir de la part de Lego de laisser des petits trucs comme ça. On revient donc avec la petite Hermione Granger qui est là. Nous avons juste derrière elle Harry. Alors avec la chouette que vous ne voyez pas mais qui est ici, cachée derrière. Voilà. Hop. Luna Lovegood, qui est une élève qui arrive dans l'épisode 5, enfin, dans l'histoire, qui arrive dans l'épisode 5, avec le chicaneur ici. Là, vous avez le chat d'Hermione, patron. Vous avez le patron, Sir Lord Voldemort. Bon, je sais pas pourquoi je le dis avec un accent russe, mais bon, voilà. Il est là, il est stylé, il a sa petite baguette blanche. Il y a Nagui, ni Loul, qui est là. Donc, voilà, un serpent, ni plus ni moins. Mais c'est cool qu'il l'ait mis. Donc c'est l'élément reconnaissable hein, de Voldemort. Si vous touchez un truc qui ressemble à un serpent, vous avez des Voldemort. On a un deuxième Harry que je vais garder, parce que j'aime bien Harry. Là vous avez Dobby. Et derrière, Malfoy. Et ce petit personnage qui est le professeur Flitwick, à mon avis. Donc voilà. C'est ce qu'on a eu dans cette petite ouverture. Pas de double, à part Harry. Donc ça c'est cool.
Mais voilà, on aura eu... Le focus, s'il te plaît. Oh, t'es gentil, merci. Donc voilà, on aura eu des figurines, ma foi, fort sympathiques. Dans une prochaine, si il y a une prochaine, j'aimerais bien avoir Dumbledore, qu'on n'a pas eu. J'aimerais bien avoir aussi, bah, du coup, la fameuse figurine rare hein, que tout le monde veut. C'est vrai que ça serait sympa de l'avoir. Donc voilà, à voir si je vais racheter des petites minifigs. On verra ça par la suite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cette petite histoire vous a plu. Je me suis bien amusé à vous la raconter, c'était vraiment sympa. Et puis, bah, j'espère que vous aurez de la chance aussi dans vos ouvertures, si vous en ouvrez. Que vous aurez peut-être cette figurine, ce Grindelwald que tout le monde cherche. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, on se retrouve prochainement. Ciao les gars!